Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du beurre velouté que j'avais reçu. Alors, si je me rappelle bien, c'est dans ma boîte à beauté du mois de décembre que j'ai reçu début janvier. Donc, j'ai pas mal testé ce produit-là. J'en parlais un tout petit peu déjà dans la vidéo de présentation de ma boîte à beauté, pardon. Et je vous disais que ça sentait merveilleusement bon. Et bien, je peux vous assurer que ça sent toujours, toujours merveilleusement bon. L'odeur, mais de ce produit, il est génial. Donc, dans la vidéo, vous ne voyez pas très très bien. En fait, il est, vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Il est rose pâle, il est tout mignon. La boîte, je la trouve, mais alors juste jolie au niveau du packaging. C'est vraiment adorable. Et ça sent effectivement la rose et le litchi. Alors, moi qui n'aime pas trop les produits à la rose, ben là en fait, ça passe sans problème. Alors, la différence que si je fais cette vidéo, c'est vraiment bien pour vous dire ce que j'en pense, autant du bien que du mal. Je n'aime pas les beurres corporels, les laits pour le corps. Tout simplement parce que j'aime pas après la douche ou le bain mettre de la crème, faut attendre. Honnêtement, la peau est toujours un petit peu grasse. On est toujours obligé d'attendre 3 plombes en sortant et en ayant 1000 produits. Donc, bon, on va dire que c'est un peu de la fainéantise, pourquoi pas après tout. Donc, j'en mets pas. Donc, celui-là, je l'ai quand même testé parce qu'en fait, il sent tellement bon que je voulais savoir si l'odeur restait longtemps. En fait, j'avais testé au début que sur mes avant-bras pour savoir au niveau de la texture et j'avais vu déjà que le produit n'était pas gras. La peau l'absorbe très, très rapidement. Donc, je l'ai essayé après ma douche. Et effectivement, oui, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un beurre velouté et que ça fait une différence par rapport au lait corporel. Moi, j'avais été déçue par des marques de supermarché et même par une marque de body shop. J'avais pas du tout aimé. Et ben là, celui-là, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je dis pas que je vais acheter le format taille réelle parce que je pense que c'est assez onéreux et puis parce que je n'aime pas vraiment quand même mettre du lait, mais la fois où j'en ai mis vraiment j'ai trouvé que l'odeur tient très longtemps sur le corps, hein, vraiment très longtemps, pas de film gras, donc vraiment c'est un très 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 bon produit. Maintenant, vous dire qu'il hydrate super bien la peau, je l'ai essayé qu'une fois vraiment sur tout le corps, donc c'est un peu juste, mais je suis vraiment très très contente de ce produit. Moi qui n'aime pas les beurres corporels, et ben pour une fois, comme quoi, faut parfois savoir essayer de nouvelles choses. Voilà, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, bye bye!